Bonsoir à tous, bonsoir et toute l'équipe des Mardis de l'Espace des Sciences est heureuse de vous retrouver après une petite semaine d'interruption. Je tiens tout de suite à vous dire que la semaine prochaine, c'est confirmé, il faudrait une catastrophe pour que ça ne se fasse pas. Étienne Klein viendra nous rejoindre à Rennes, enfin, parce que nous avons dû remettre, je crois, à peu près 4 ou 5 fois sa venue à Rennes en raison de l'état sanitaire de notre pays et du monde entier d'ailleurs. Et donc il sera avec nous la semaine prochaine pour cette carte blanche que nous lui avons offerte. Voilà, alors ce soir on fait une petite entorse à notre idée de ne pas faire de visioconférence, et là vous comprendrez bien sûr que forcément, on ne pouvait pas refuser de recevoir Hubert, ou plutôt qu'Hubert nous reçoive chez lui, parce qu'il est chez lui à Paris, Hubert Reeves, et nous allons le retrouver dans un instant pour passer un moment avec lui. Et c'est vraiment un grand, grand bonheur pour nous de le retrouver. Du coup, j'ai demandé à Michel Cabaret, qui est le directeur de l'Espace des Sciences, de venir nous rejoindre, parce que je sais que lui aussi a beaucoup, beaucoup d'amitié et d'admiration pour Hubert. Alors, Hubert, vous êtes bien là ? Je suis là et je suis content d'être là. Ah, et qu'on est très content que vous soyez là. Alors, allons-nous présenter Hubert Reeves ? Y a-t-il encore des personnes qui ne le connaissent pas ? Sait-on jamais ? Alors, peut-être pour quelques extraterrestres qui se seraient branchés ce soir sur la chaîne YouTube de l'Espace des Sciences, on va rappeler qu'il est astrophysicien, qu'il a enseigné la cosmologie à Montréal et à Paris, qu'il a depuis très longtemps décidé de partager ses connaissances et ses passions avec le plus grand nombre, en donnant généreusement de son temps pour des conférences, en écrivant des livres abordables par tous, pour tous, en participant et même en créant des spectacles, ça se sait peut-être un petit peu moins, et en s'engageant pour la défense de l'environnement. Hubert est actuellement le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité et de l'Agence française de la biodiversité. Et alors, nous avons été particulièrement gâtés à l'Espace des Sciences avec Hubert. Et je laisse Michel nous expliquer pourquoi je dis ça. Ouais, c'est vrai qu'Hubert a participé dès le début de nos activités à la diffusion de la science avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, d'intérêt pour l'astronomie, pour aussi la nature. Et on a toujours été bienveillants et très bien reçus chez lui. Et puis ici à Rennes aussi, j'espère qu'on l'a bien accueilli. Le dernier témoignage peut-être que je peux porter à votre connaissance, c'est de vous dire qu'Hubert est le parrain du planétarium de l'Espace des Sciences, et puis aussi qu'il nous a donné sa voix et ses connaissances pour un très beau projet qu'on porte à Morlaix dans la Manufacture Royale des Tabacs, puisqu'il y aura un jardin des planètes. C'est un très bon nom, évocateur. Et Hubert est avec nous aussi sur ce beau projet. Donc, vous voyez, depuis 1990, il accompagne toutes les activités de l'Espace des Sciences. Voilà, autant dire que c'est une vraie amitié qui s'est créée entre nous tous. Alors, les livres d'Hubert, bon, je ne sais pas, j'en ai compté à peu près une vingtaine aux éditions du Seuil, avec des titres que parfois on n'oublie jamais, Poussière d'étoiles, L'heure de s'enivrer, L'espace prend la forme de mon regard, Mal de terre, Je n'aurai pas le temps, L'univers expliqué à mes petits-enfants. Et puis alors un titre que j'adore, Le banc du temps qui passe, hein, où il fait référence à Malicorne, ce domaine qu'il aime tant et dont il est un petit peu privé en ce moment, puisqu'il est obligé de rester à Paris. Et puis il y a ce livre sorti en octobre 2020 qui donne aussi son titre à la conférence qu'il a accepté de nous donner ce soir, La fureur de vivre. Et en couverture, il y a la photo d'un grand-père comblé, tenant dans ses bras Noé, l'un de ses petits-fils, dont il signale que le personnage qui portait ce prénom a, selon l'histoire biblique, sauvé la biodiversité à son heure. Voilà donc un très joli message qu'il fait passer dès le début de ce livre. Voilà Hubert, on va te donner la parole, on va vous donner la parole, voilà, ça je savais que j'allais la faire, on va vous donner la parole. Juste une petite question
sur une petite mise en garde, je ne sais pas si c'est une mise en garde, que vous faites au tout début du livre, où vous dites que les faits évoqués dans ce livre rencontrent l'assentiment de vos collègues scientifiques, mais ne s'accordent pas nécessairement avec leurs interprétations de ces faits, en disant que les débats se poursuivent. La science, elle est toujours en débat, c'est ça ? Ben, les informations, les résultats, généralement, sont crédibles, du moins ceux que... qu'on publie, mais ce qui diffère d'une personne à l'autre, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels sont les messages qu'on peut en tirer. Et c'est justement ce que je vais faire ce soir, c'est tirer des messages d'un des résultats les plus fantastiques qui a été obtenu il y a quelques années et que je vais décrire tout à l'heure. Eh bien, on commence, on y va? On commence. Allez. Alors, bienvenue à tous. Je suis content d'être avec vous pour cet événement. Je suis content de pouvoir... On va aujourd'hui essayer justement de regarder quelques-uns des éléments récents sur le sujet. Ce sera un double sujet autour desquels on va tourner. C'est l'univers et chacun de nous, c'est-à-dire nos rapports avec l'univers. Et c'est là que ça devient intéressant. On gagne des informations très importantes sur l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une certaine façon, ces informations nous impliquent notre destinée, impliquent notre responsabilité. Du moins, c'est mon opinion. Encore une fois, certains de mes collègues ne seraient pas d'accord. Mais bon, moi, je vous dis ma façon de voir les choses. En particulier au sujet de cette image. Cette image que vous voyez en ce moment, cette image, c'est une image qui est assez connue, qui a bouleversé beaucoup de choses dans notre compréhension du monde. C'est une image qui vous présente ce qu'aurait vu quelqu'un qui se serait trouvé très près du début de l'univers. Évidemment, il n'y avait personne, mais il y a des appareils sont capables de récupérer ces images. Ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait regardé le ciel, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait incohérent, sans structure. Les couleurs ne sont pas des vraies couleurs, c'est des couleurs qui sont utilisées comme à la télévision quand on met des couleurs sur des images. Mais les dégradés sont réels et ça nous dit ce qu'était cette image de ce qu'était l'univers à cette époque qui on chiffre à peu près à 380 millions d'années après le Big Bang, ce qui est très peu, puisque le Big Bang, c'est 14 milliards d'années. Alors, vous voyez qu'on est tout à fait très près du Big Bang. On n'y est pas encore. Et c'est notre fascination, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au Big Bang? Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, dans lequel nous nous adaptons? Eh bien, aujourd'hui, avec cette image qui a été prise, qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est une image qui a été prise par des radiotélescopes en 1965, donc ça ne fait pas très longtemps. Et cette image nous dit quoi sur l'univers? Eh bien, elle nous donne un renseignement tout à fait fondamental qui est celui-ci. À cette époque, l'univers est très chaud. L'image que vous voyez là est à 3000 degrés, mais quand elle a été émise, elle était beaucoup plus chaude. C'est une image donc qui est très chaude et surtout qui est totalement instructuré, c'est-à-dire qui ne présente aucune structure. On s'aperçoit, et ça demande une discussion, mais maintenant c'est tout à fait crédible, qu'à cette époque, il n'y avait aucune des structures que nous connaissons aujourd'hui dans l'univers, quelle que soit la dimension. Et si on commence par les plus grandes dimensions, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète. Il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas de grande dimension ou de plus petite dimension, il n'y a même pas de microbes, il n'y a même pas de plantes, d'animaux, il n'y a pas de structure donc, à différents niveaux, il n'y a pas de molécules, même les molécules géantes que nous connaissons, qui sont les molécules d'ADN, par exemple, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'atomes, il n'y a même pas de protons et de neutrons. Qu'est-ce qu'il y a?
eh bien, il y a ce qu'on peut appeler un grand magma incohérent qui est porté à des températures extrêmement élevées. Hubert va essayer de passer l'image suivante. Je voudrais passer l'image suivante. Alors, il y a Laurence, là, vous apercevez peut-être Laurence à l'écran, je ne sais pas. En tout cas, Laurence Honorat qui est auprès d'Hubert et qu'on remercie parce qu'elle est là pour l'assister pour tout ce qui est technique. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Laurence. Alors, voilà en résumé l'interprétation qu'on donne. L'univers primordial est un magma instructuré, un magma incandescent à très haute température, totalement sans structure. Ça, c'est l'interprétation qu'on donne aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant maintenant pour discuter cette interprétation, c'est de dire, maintenant, regardons l'univers d'aujourd'hui. L'univers contemporain, au contraire, est très richement organisé. Et on va faire un petit tour pour visiter ces fameuses structures qui sont le résultat, qui sont présentes aujourd'hui dans l'univers. D'abord, des galaxies. 100 milliards de galaxies dans notre univers, au moins. Il est possible que l'univers soit infini, on n'est pas sûr, mais on sait maintenant qu'il y a au moins 100 milliards de galaxies. Vous voyez ce que ça veut dire comme activité pour l'univers. C'est ça qui est important de voir, c'est que nous découvrons là ces organismes. Alors, voilà une image de galaxie. Une galaxie, c'est une structure qui fait 100 000 années-lumière de rayon, dans laquelle il y a toute une organisation avec des bras spiraux qui sont des structures physiques très importantes. En voici une, donc, qui est une belle galaxie spirale. Et puis, une autre, alors celle-là, elle est plus près de chez nous, c'est Andromède, qui est visible à l'œil nu. Et nous reconnaissons également un noyau central autour duquel tournent des quantités d'étoiles, 100 milliards d'étoiles typiquement, et des bras spiraux que vous voyez moins bien marqués. Mais c'est le phénomène fondamental des plus grandes structures dans l'univers. Alors, si on descend maintenant dans l'échelle des dimensions, cette fois, on arrive à 100 milliards de milliards d'étoiles. 100 milliards de milliards d'étoiles, et c'est toujours une valeur inférieure, c'est au moins ça. Et je vais vous montrer quelques belles images, moi, que je trouve très inspirantes. Voici les étoiles. Vous voyez la quantité qu'il y en a, on dirait les sables de la mer. Et quand vous pensez que peut-être autour de chacune de ces étoiles, on n'en sait rien, il y a des planètes, et sur ces planètes, il y a peut-être des gens, c'est bien d'avoir de l'imagination. Vous savez, moi j'ai un exercice que j'aime faire pour essayer de se représenter ça. Quand il passe un avion dans le ciel, regardez l'avion et essayez d'imaginer que vous êtes dans l'avion et qu'il y a quelqu'un, une hôtesse qui sert des repas et des gens se préparent à manger. Vous arrivez par votre imagination à ce qu'un tout petit point lumineux pour vous vous parle, vous êtes capable de vous le représenter. Eh bien, avec votre imagination, essayez d'imaginer dans chacune de ces étoiles, il y a des milliards de personnes qui sont peut-être en train de manger dans un avion quelque part. C'est bien de mettre de l'imagination, mais c'est pour voir jusqu'à quel point c'est quelque chose qui est frappant. La production de l'univers, regardez, chacun de ces petits points est une étoile avec peut-être des planètes, des... Alors maintenant, on va voir les étoiles de plus près. Ça, c'est les Pléiades que l'on voit très bien à l'automne, dans le ciel d'automne. Des Pléiades, ce sont des étoiles qui sont entourées d'une nébulosité. Et ces nébulosités sont probablement des poussières d'étoiles, justement celles qui pourront donner lieu plus tard à des planètes. Et puis, voici encore ce qu'on appelle un amas d'étoiles. Là, vous avez peut-être 1 million d'étoiles qui sont nées en même temps et qui vivent leur vie. Donc, c'est pour signaler tout ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui. Et encore plus nombreux, chacune de ces planètes, maintenant, on a des bonnes raisons de penser que les étoiles ont en moyenne plusieurs planètes, et ça peut donner au total
100 milliards de planètes comme la Terre. C'est bien de s'arrêter à se représenter cela quand on pense que l'univers naît sans structure et qu'il se bâtit. C'est donc un lieu où il y a une activité de fabrication de structures absolument extraordinaire. Et on va continuer. Alors ça, ce sont des nuages qui sont des poussières, pas des poussières d'étoiles, des structures où se forment des panières d'étoiles. Et regardez bien, ce sont des grands nuages de gaz et de poussière. Et vous voyez un peu partout des sortes d'éperons qui émergent du nuage. Il y en a un peu partout. Au bout de l'éperon, il y a un petit point lumineux. Ça, c'est des étoiles qui sont en train de naître, c'est-à-dire d'émerger. C'est comme si les nuages accouchaient au bout de cette pointe d'une étoile. C'est vraisemblablement le cas qui s'est passé il y a 4 milliards 500 millions d'années pour le Soleil. C'est cette fabrication, là j'insiste beaucoup sur cette activité structurale. L'univers est une structure, une fabrication, une structure absolument extraordinaire. Et on va rester à réfléchir sur ce problème. Alors maintenant, nous allons voir un cas particulier qui nous intéresse, c'est le Soleil. Et le Soleil, vous le voyez là avec ses planètes. En haut, vous voyez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et en bas, vous avez les étoiles proches du Soleil qui sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ça, c'est l'univers, c'est la structuration sur le plan de la planète. Alors, les planètes sont particulièrement intéressantes pour quelqu'un, je dis quelqu'un pour l'univers, qui veut fabriquer de la vie. Pourquoi? Parce que la vie ne peut pas apparaître sur les étoiles. Les étoiles, il fait trop chaud. Il fait des milliers de degrés. La vie ne peut pas apparaître sur des planètes distantes du Soleil, parce que là, il fait trop froid. Elle ne peut pas apparaître sur la Lune. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à une distance appropriée de son étoile qui le réchauffe et lui donne des calories, mais en même temps que cette température, cette distance soit telle que la température ne soit ni trop chaude ni trop froide. Et ça, c'est l'invention, j'aime bien personnifier la nature avec des guillemets, c'est l'invention de la planète. Comment, quand vous avez envie de faire de la vie, évidemment, je parle d'une façon un peu littérale ou littéraire, quand vous voulez faire de la vie, il faut d'abord fabriquer un endroit où il fait ni trop chaud ni trop froid. Ça n'est pas les galaxies, ça n'est pas les météorites, ça n'est pas les étoiles, c'est les planètes et à bonne distance des planètes. Vous voyez, on va interpréter cet univers et sa fabrication en essayant de le voir d'une façon un peu plus détaillée, un peu plus dans ses capacités. Alors, ça, c'est encore la même chose, les planètes. Et puis, maintenant, on descend encore dans l'échelle des dimensions, toujours en décrivant l'univers et les structures qui l'habitent. Il y a plus de 10 millions d'espèces de plantes et d'animaux. Ça passe des baleines aux bactéries. Tout ça, ce sont des créations, des structures qui sont apparues par l'activité de la matière cosmique. Et je les présente, ces structures. Par exemple, je commence par les aigles, qui sont bien sûr une structure magnifique qui est produite en très grand nombre. Des ours, encore un exemple d'une structure qui apparaît dans l'univers. Des oiseaux migrateurs. Et ces oiseaux migrateurs, j'aime bien les présenter parce qu'on sent une volonté extrêmement puissante de voler, de parcourir des milliers de kilomètres pour passer des régions où nicher jusqu'aux régions où on passe l'été. Pardon, on passe l'hiver. Bien, ça, c'est aussi un exemple de l'activité de l'univers. Je suis en train de vous présenter l'univers comme quelque chose qui, sans pour l'instant aller plus loin dans la compréhension, mais qui nous montre ce qu'on peut appeler la fureur de vivre, c'est-à-dire cette force avec laquelle la vie s'est installée sur la planète, non seulement sur la planète, mais dans tout l'univers, des galaxies jusqu'aux atomes, et en particulier
dans une échelle de complexité. C'est-à-dire que la vie, c'est la matière à son niveau le plus complexe. Et quand on regarde l'évolution de la matière dans l'univers, on passe des structures les plus simples à des structures de plus en plus complexes. Et c'est comme si l'univers, la matière, avait envie de se structurer. Alors, excusez la naïveté de ces propos, mais je ne peux pas m'empêcher, quand je vois tout ce que ces structures qui commencent par être très simples, qui, avec une espèce de fureur, effectivement, se structurent de plus en plus, montent les degrés de la complexité, jusqu'à arriver au point de la vie qui est la structure la plus évoluée de la vie, et comme on va voir, celle qui pose problème aujourd'hui. Mais on y arrivera rapidement. Alors donc, voici cette image des animaux qui sont des exemples de la structuration que la matière cosmique arrive à faire progressivement dans cette espèce de grand mouvement de structuration de l'univers. Par exemple, des oiseaux avec des coloris pour attirer la femelle. Vous voyez, tout cela, c'est toujours dans le but, c'est quoi? C'est de poursuivre la vie. C'est d'arriver à ce que la vie s'installe, se poursuive, se complexifie. Et on le voit quand on sait que depuis 4 milliards d'années à peu près, qu'il y a de la vie sur la Terre, il y a eu déjà un bon nombre d'extinctions, de grandes extinctions, mais la vie toujours a réussi à survivre, ce qui montre ce qu'on peut appeler sa volonté de vivre, sa rage de vivre. C'est une façon de voir l'univers, non pas seulement comme des équations, comme des lois, mais comme un endroit où il y a quelque chose, cette fureur de vie, qui fait que maintenant nous savons que l'histoire de l'univers, c'est une histoire au début d'une absence totale de structuration, avec progressivement, au cours des milliards d'années, grâce à des phénomènes que nous commençons à comprendre, qui impliquent des forces, des énergies, des lois de la physique. Personne ne sait aujourd'hui pourquoi il y a des lois plutôt que pas de lois. Je crois que c'est un élément fondamental, mais il y a des lois. Ces lois produisent, engendrent des forces, et ce sont ces forces qui permettent à la vie de se perpétuer et de continuer à se structurer. Ça, c'est un point de vue que de plus en plus de physiciens prennent aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas simplement du hasard, qui n'est pas simplement un grand architecte. Je ne veux pas discuter de ces problèmes. Je pense que c'est intéressant simplement de sentir qu'il y a quelque chose comme une sorte de levain, une sorte de levure qui fait que la matière aime. Matter is life friendly, j'aime bien dire comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a été découvert récemment d'une façon tout à fait étonnante dans ce qui s'appelle le principe anthropique, et qui est la chose suivante. Aujourd'hui, on est capable d'étudier l'histoire de l'univers avec des modèles, c'est-à-dire qu'on suppose un Big Bang, on invente des lois, parce que les lois, on ne les connaît pas au départ, et on essaie de voir comment les modèles d'univers se poursuivent quand on les met sur ordinateur d'une façon physique. Eh bien, ces modèles, effectivement, se comportent tout à fait au départ comme l'univers, c'est-à-dire, d'abord, ça commence très chaud, ensuite, il commence à se former la gravité, des galaxies, des étoiles, des planètes, tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est ça qui est la grande surprise, il faut mettre au départ les lois qu'on trouve au laboratoire pour arriver à avoir de la complexité et de la vie. En d'autres mots, si on fait des modèles d'univers dans lesquels on change un petit peu les lois de la physique, et vraiment très peu, eh bien, la matière se refroidit, se complexifie, va former des planètes, mais il n'y aura pas de vie. Et avec d'autres lois, il n'y aura même pas de molécules. Il y a ce que nous appelons les nombres fertiles. Ce sont ceux qu'il faut mettre
dans le potage au début pour arriver à avoir un univers qui, en se développant, va atteindre le niveau de complexité qui est le niveau où il y a de la vie. Et de la vie, on le sait maintenant, ça ne peut exister que s'il y a la mort. C'est-à-dire, la vie impose la mort. La physique, les roches vives n'ont pas besoin d'avoir de l'énergie. La vie a besoin d'énergie. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Si vous n'avez pas de production d'enfantement, vous ne durez pas. La vie peut durer, un, si on mange, deux, si on se reproduit. Et c'est ça qui amène cette espèce de présence aujourd'hui qui fait la différence entre cet univers des tout débuts qui n'est absolument pas structuré jusqu'à l'univers d'aujourd'hui qui est fantastiquement structuré. Et ça me paraît une vision intéressante. Encore une fois, je vous dis que j'ai des collègues qui ne sont pas d'accord, mais pour moi, et je connais beaucoup d'autres physiciens qui aujourd'hui aiment bien, pensent qu'il y a quelque chose là-dedans. Autrement, on n'arrive pas à faire sens de ce qui se passe. Le hasard pur ne peut pas faire autre chose que du fouillis. Et les énergies pures ne font que de la monotonie. Et je vais vous donner un exemple de comment la nature arrive, en combinant le hasard et les lois, à faire de la créativité, de faire de la diversité. Alors oui, c'est une dernière image que j'aurais dû passer. Alors ce que vous voyez là, c'est un ovule qui est agressé, si on peut dire, par des spermatozoïdes. Et ça aussi, c'est une bonne image de la vie. C'est cette ardeur que vous voyez, tous ces petits spermatozoïdes qui se dirigent et qui vont aller essayer de pénétrer dans l'ovule. C'est encore une image parlante, je pense, de cette ardeur de la vie à durer. Quel plaisir d'entendre Hubert parler de cet amour de la vie qu'il nous communique. Là. Merci, merci. Alors, donc j'étais en train de décrire toutes les structures qu'il y a dans l'univers, d'innombrables, là je ne peux même plus donner de nombre, molécules, atomes, voilà, qui se sont fabriqués, qui se fabriquent progressivement, dans lequel chaque petite boule est un atome. Le rouge, par exemple, peut être de l'hydrogène et de carbone ou de l'azote, qui font que c'est encore une image de la structuration qui est inhérente à la complexité. Il faut de telles molécules pour la vie. Et vous avez, par exemple, un exemple ici d'un atome de lithium qui a au centre des protons et des neutrons et des électrons autour, et qui décrit un des modes de structuration de la nature. Il y a deux modes que j'aime présenter et que nous commençons à comprendre. Il y a le mode que j'appelle écriture. L'écriture, bon, je vais vous rappeler des choses que vous connaissez depuis votre enfance. À l'école, on vous dit, par exemple, si je dis le mot « nuit », je dis « N-U-I-T ». Si je dis « N-U-I-T », avant que j'ai dit « T », vous n'avez pas pensé à quelque chose. Quand j'ai dit « T », est venue dans votre tête une image, l'image de la nuit. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. La nature se sert beaucoup de cette idée de la propriété émergente, c'est-à-dire on met ensemble des lettres, ça c'est le cas de l'écriture, pour faire des mots, lesquels ont une propriété émergente. C'est typique de la structure de la nature pour complexifier la matière. Ici, elle va prendre des protons et des neutrons, elle va faire un noyau d'hélium, de lithium, elle va l'entourer avec des électrons, et ça va donner un noyau de lithium qui a des propriétés que n'ont pas du tout le noyau d'hélium qui est au centre. C'est un modèle de la structure de la nature, un de ses trucs favoris pour... et qu'on va retrouver à des quantités d'échelles, comme vous allez le voir dans un instant. Voici encore un peu plus complexe. Et puis, maintenant, je vais parler d'une autre chose, un autre jeu important de la nature, c'est le hasard et les lois. Le hasard et la nécessité, comme disait Démocrite. Alors, voici un très bon exemple de comment la nature
utilise le hasard et les lois pour structurer et diversifier. La nature est très diverse. Il y a 25 000 variétés de papillons. Tous ces papillons font la même chose, mais la nature, ce n'est pas son jeu de faire une seule sorte de papillon qui aurait pu polliniser. Non, la nature, on le voit, aime la diversité et c'est sa richesse. Et quand vous regardez ces cristaux, vous voyez deux choses. D'abord, ils ont tous six pointes. Ça, regardez ceux du bas qui sont particulièrement jolis sur ce plan. Ils ont six pointes. Ça, c'est la loi. La loi de la physique, parce que dans la physique, il y a des lois, et les lois sont essentielles pour structurer la matière. Les lois de la physique, c'est que les cristaux des flocons de neige auront tous six pointes. Mais après ça, la nature dit, dans son langage, aux flocons, maintenant vous faites ce que vous voulez. Eh bien, à partir de là, c'est le hasard. Les formes que vous voyez autour des cristaux que prennent les pointes sont dues au hasard. C'est le mouvement des flocons qui se baladent dans les nuages humides des giboulées. Et chaque température, chaque pression va donner lieu à des cristaux, à des pointes différentes, à des pointes, pardon, qui seront toutes les mêmes, mais qui seront différentes de flocon en flocon. Ça, c'est un des trucs de la nature, c'est d'utiliser, de combiner le hasard et la nécessité. Par exemple, nous sommes 7 milliards de personnes sur la Terre, plutôt 8 milliards maintenant. Nous sommes 8 milliards, nous obéissons tous aux lois de la nature. Nous ne nous obéissons pas tous aux lois civiles, mais aux lois de la nature. Nous ne pouvons pas les enfreindre. C'est ce qui nous permet d'être organisés, d'avoir notre gros cerveau, que ça marche. Mais en même temps, nous sommes tous différents et nous savons que la nature peut faire des cerveaux humains en quantité, en quantité, en combinant, encore une fois, c'est son jeu, son truc. D'une part, c'est la structuration et d'autre part, c'est, je veux dire, le jeu de l'écriture et le jeu du hasard et de la nécessité. Et alors voilà maintenant ce qu'on appelle la pyramide de la complexité qui décrit ce qui se passe, qui s'est passé dans le temps, dans notre univers. Alors on commence, j'ai mis en bas être inconnu parce qu'on ne sait pas, mais à partir de là, on sait au début des quarks et des électrons se combinent pour former des neutrons et des protons, qui se combinent avec des électrons pour former des atomes, qui se combinent pour faire des molécules, qui se combinent pour faire des biomolécules, l'ADN, qui se combinent pour faire des cellules vivantes, qui se combinent pour faire des organismes. Et là, vous voyez toujours ce jeu de l'écriture. Vous combinez un certain nombre de neutrons et de protons pour faire des atomes, vous combinez les atomes, et c'est cette échelle, qu'on appelle l'échelle de la complexité, décrit le fait que ces éléments sont de plus en plus rares, mais qu'ils sont de plus en plus complexes et qu'ils atteignent à un niveau où, là aussi, on ne sait pas s'il y a quelque chose. Tout ça permet des spéculations, mais en tout cas pour ces processus. Et nous savons maintenant dans quel contexte ils sont formés. Ceux-ci sont formés dans les grandes chaleurs du Big Bang. Ceux-ci, les atomes. Les molécules sont formées dans les étoiles, ceux-là dans l'espace entre les étoiles, et ici dans les planètes, à la surface des planètes. Donc ça, c'est le phénomène, c'est l'histoire de cette structuration qui nous amène à être ce que nous sommes et qu'on peut répéter en disant, l'univers a une histoire. Cette histoire, j'aime bien présenter, c'est un de mes petits-fils, je suis fier de lui, il s'appelle Noé. Ce petit-fils, je l'aime le présenter comme un exemple du cerveau humain qui est peut-être la structure la plus complexe aujourd'hui, en tout cas sur la Terre, peut-être ailleurs, on ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, moi je pense que oui, mais on ne sait pas vraiment, on ne sait pas du tout. Et donc, cet enfant représente la structure la plus évoluée qui se soit formée dans l'univers. Et cette histoire, cette histoire de ce cerveau, comme de celui de chacun d'entre nous, est peut-être la plus grande prouesse de l'univers et de sa capacité de structurer.
Ça, c'est le nombre de particules qu'il y a dans votre corps humain. C'est le nombre de quarks et d'électrons, ces particules élémentaires, qui sont nécessaires, qui sont présentes au niveau des molécules, au niveau des atomes, au niveau des cellules, et qui forment le cerveau. Oui. Alors, l'histoire, c'est ceci. Les quelques 10 puissance 29, le 10 puissance 29, c'est ce qui est écrit là en chiffres, ça veut dire 1 avec 29 zéros. Ces 10 puissance 29 qui sont notre cerveau existaient déjà au tout premier temps du cosmos, mais dans un état totalement différent de celui d'aujourd'hui. Ils étaient totalement diffus dans l'univers, dans le vide. Ils étaient dissociés et ils ne pouvaient faire que ce que font les particules élémentaires, c'est-à-dire se promener, se cogner les unes sur les autres. L'histoire de l'univers, c'est comment en 14 milliards d'années, ces particules élémentaires se sont associées d'abord en quark, en atome, pardon, en quark, en électron, en proton, etc., en atome, en molécule, se sont associées. Et à chaque fois qu'ils s'associaient, ils gagnaient une propriété émergente qui était, par exemple, que les atomes font plus de choses que les électrons et que les protons, que les cellules vivantes font plus de choses que les molécules qu'ils contiennent. C'est toujours ce schéma de cette structuration dans un contexte de hasard et de nécessité. Ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont importantes à dire sur notre univers, c'est-à-dire notre univers d'abord tirer parti de ce renseignement qu'on obtient quand on met ensemble le fait que l'univers des premiers temps est totalement instructuré et qu'aujourd'hui il est richement structuré, qu'il y a dans cet espace entre les deux, dans l'espace, il y a des structures de toutes dimensions avec des complexités de plus en plus importantes jusqu'au niveau des êtres humains. Et peut-être d'autres choses au-delà, on ne sait pas. C'est un petit peu ce que je voulais mentionner. Je n'aurai pas le temps de parler des dangers, peut-être une prochaine fois, mais voilà, je pense que ce que je voulais dire, c'est considérer ces phénomènes, c'est de regarder les faits, et d'essayer de les interpréter, et de les interpréter non pas seulement en équation, c'est important de les interpréter en équation, mais aussi en quelque chose qui est de l'ordre d'une volonté, c'est des idées qui viennent de Schopenhauer et comment est-ce qu'il s'appelle? Ça me reviendra. Nietzsche. C'est des choses qui commencent à émerger, je pense, de cette addition, de ces observations. C'est en ce sens que les découvertes scientifiques méritent d'être réfléchies et d'essayer de tirer des réponses. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ces particules se sont associées? Si vous voulez, je pense que c'est intéressant de dire, c'est intéressant de passer de... Là, je vais aller jusqu'au début. Est-ce que tu sais comment aller jusqu'au... De l'image qu'on a vue au début, la première image très colorée, c'est ça? Oui, oui. Je vais y aller. Voilà, on y arrive, voilà. Voilà. La question qui se pose à nous, c'est comment on est passé de ça à l'autre? Ça, c'est la question fondamentale. C'est les questions, on a donné des interprétations. D'abord, les interprétations du grand architecte, mais ce n'est pas scientifique, du moins, ce n'est pas le monde scientifique. On peut y croire, on peut croire, voir le grand architecte, mais en tant que scientifique, on voudrait avoir quelque chose qui soit plus d'une nature scientifique et qui puisse nous expliquer, qui puisse nous permettre de comprendre un peu comment ça s'est passé. C'est la grande question aujourd'hui, c'est comment expliquer, exprimer, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette image que vous voyez là se combine en cette main. Alors, vous voyez tout ce qui passe. De ce petit Noé qui est si mignon et dont vous êtes si fier, Hubert, votre petit-fils. Voilà, c'est ça.
C'est ça donc que je voulais vous raconter. C'est ce que j'appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est d'où venons-nous? Comment se fait-il que nous soyons en mesure de poser des questions, d'observer le monde? Ce sont des réflexions qui sont pas, enfin oui, qui me paraissent faire sens. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci, mon cher Hubert. Merci, merci beaucoup. Alors, on doit dire que dans le livre, bien sûr, vous poursuivez cette réflexion. Vous abordez aussi la question de la beauté que nous apporte la culture, la musique qui a tant d'importance pour vous. Vous nous parlez aussi des responsabilités. Il y a un chapitre qui s'intitule « Le vouloir ne saurait se décliner dans la solitude ». Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses encore à découvrir. Dans ce livre qui porte le même titre que cette conférence, La fureur de vivre. Alors, Hubert, si vous n'êtes pas trop fatigué, je ne sais pas si Michel veut ajouter quelque chose à la présentation d'Hubert. Ben moi, j'ai trouvé que c'était un formidable voyage, à la fois dans le temps, parce que finalement, en regardant dans le ciel, on voit l'histoire de ce monde déstructuré jusqu'à ce monde aujourd'hui structuré qui nous entoure. Et je regardais les questions des internautes et c'est vrai qu'il y a de bonnes questions. Finalement, nous sommes passés d'un monde déstructuré à un monde structuré, mais va-t-on toujours vers un monde de plus en plus structuré ou un jour pourrait-il y avoir une évolution vers un monde déstructuré? Ça, on ne sait pas. Je pense que notre capacité de prévoir en tant qu'être humain est à peu près nulle. Je pense que l'inconnu, l'avenir est inconnu, et heureusement, parce que l'avenir n'existe pas en ce moment. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que Simon de Laplace disait qu'un esprit qui connaîtrait toutes les lois et toute la matière, pour lui, l'avenir serait sans mystère. Eh bien, aujourd'hui, grâce aux interprétations quantiques, nous savons qu'il y a du hasard dans la nature. Il n'y a pas que du hasard, il y a du hasard et des lois, comme le disait Démocrite. Et ce hasard ne permet pas de connaître l'avenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, ce que les humains vont en faire, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est aussi ce que je voulais commenter, mais je peux déjà le commenter. Aujourd'hui, nous sommes cet avenir de cette structuration sur la Terre, en tout cas, est menacé. Il est menacé par deux choses. La première, c'est l'arsenal nucléaire. C'est le fait que pendant la guerre froide, on soit passé à deux doigts d'une guerre nucléaire et on ne sait pas très bien comment on s'en est pas sorti. C'est qu'il y a aujourd'hui la sixième extinction qui menace aussi le réchauffement climatique et surtout les arsenaux nucléaires qui sont maintenant en train d'être remis en forme, en particulier par Trump, plus lui maintenant, heureusement, mais le président de la Corée du Nord. Nous ne savons pas, nous savons que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de garder la Terre habitable, c'est-à-dire de ne pas aller vers des catastrophes comme on est venu très près pendant la guerre froide. Ça, il faut bien tenir compte, il faut se laisser enseigner par les faits. Et les faits nous disent que si on pense qu'on est sûr qu'on ne va pas se détruire, eh bien, on n'a regardé qu'à regarder, à se faire raconter les histoires de la. Je vais vous raconter un événement qui est bien connu. Tu allais dire quelque chose, Non, Maëlle? mais c'est parce qu'il y a quelques Non. questions que je vais poser après, mais Non. on écoute, Hubert. Alors, voilà. Ça se passe à Moscou. C'est en 1983. C'est au quartier général de l'arsenal nucléaire des Russes, des Soviétiques. Et il y a un homme qui s'appelle Stanislas Petrov, qui est aux commandes, en tout cas, qui est important dans l'arsenal nucléaire. Il reçoit de ses quartiers généraux une information qui dit que les Américains ont lancé des salves nucléaires qui seront ici à Moscou dans 30 minutes. Et c'est à lui d'agir. Ce n'est pas tout à fait comme ça, mais si vous regardez sur Internet, cette histoire est racontée. Stanislas Petrov. Il décide de ne rien faire. On lui demande après coup pourquoi.
Heureusement, parce que c'était une fausse alarme. Monsieur Petrov répond, parce que je n'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire. Vous vous rendez compte comment on était à deux doigts de la catastrophe. Oui, c'est oui. parce que Monsieur Petrov a eu le bon sens de dire, je ne veux pas déclencher une guerre nucléaire, sachant qu'il va être puni. Il a été puni, après il a été récompensé. Maintenant, il est considéré comme un héros parce qu'il le mérite. Oui, on sait donc oui. on serait pas là si ça s'était passé. Bien sûr. Mais ça doit être pris comme une leçon pour dire l'avenir est inconnu et ne vous fiez pas au fait que les êtres humains vont toujours bien se conduire. Il n'y a aucune garantie. Alors Hubert, je voulais dire qu'il y a à peu près 380 personnes qui sont avec nous en ce moment. Ça fait du monde dans votre salon, hein, ça va vous avez de quoi respirer quand même. Oui, et puis il y a fait, une question, oui. Alors il y a plusieurs questions, mais je vais en prendre une ou deux. Vous nous direz quand vous serez fatigué et puis que vous voudrez arrêter. Quelle découverte vous a le plus surpris ou peut-être déstabilisé depuis le début de vos expertises en tant qu'astrophysicien? Alors, il précise, le téléspectateur, j'allais dire, c'est un petit peu ça ce soir, découverte de planètes autour de pulsars, découverte du boson de Higgs, ou quoi? La découverte qui m'a le plus plu, qui m'a beaucoup intéressé et plu, c'est justement le fait que l'univers a une histoire. Quand j'ai commencé ma carrière, on était avant le rayonnement fossile, et l'histoire du rayonnement fossile n'était pas prise au sérieux. Enfin, il n'y avait pas le rayonnement fossile, mais le Big Bang n'était pas pris au sérieux. Et on était, dans ce point de vue aristotélicien, l'univers a toujours existé, il existera toujours, et l'univers est fixe et immortel. Et j'ai appris dans les années 65, justement, ce modèle du Big Bang qui dit non, l'univers n'a pas toujours existé, l'univers a une histoire, l'univers change, l'univers est une aventure beaucoup plus qu'un cadre. On le voyait comme un cadre fixe qui était le cadre où se vivent les étoiles, se vivent les galaxies, se vivent. Et tout d'un coup, on apprenait pas du tout. On savait déjà que les galaxies, les étoiles ont une histoire, que les galaxies ont une histoire. Dans ma carrière, dans les années 60, je travaillais, c'était cette période où on découvrait que les atomes aussi ont une histoire, les atomes n'ont pas toujours existé, qu'ils sont formés dans différentes variétés d'étoiles. C'est tout d'un coup d'apprendre que ce que je considérais, ce que je pensais, ce qu'on m'enseignait être complètement figé, au contraire, était une histoire qui évoluait d'une façon magnifique, justement sur ce plan de la complexité. Et puis après, j'ai appris, parce que progressivement sont venues les inquiétudes, c'est-à-dire, oui, une belle histoire, mais cette histoire qui aujourd'hui est menacée justement par les êtres humains. Donc à la fois, cette très bonne nouvelle, l'univers a une histoire, et cette histoire pourrait mal se terminer. Ce sont les deux éléments qui m'ont le plus touché, justement. Alors, quel corps céleste vous inspire le plus? Qui m'inspire autre question, le plus. Une autre question qui est posée là. Pas de préférence? Si, je dirais Orion, la constellation d'Orion, que je retrouve toujours avec grand plaisir, parce que sur Orion, vous avez à la fois des étoiles en train de se faire et des étoiles qui sont mortes. Il y a tout le scénario de la vie des étoiles dans les quelques étoiles de la constellation d'Orion qu'on voit très bien à l'automne, très bien dans le ciel d'automne, et qui est très, très, très belle, mais que j'aime bien voir justement parce qu'elle porte en elle, c'est comme des phases, des représentations des différentes phases de la vie des étoiles. Est-ce que ça va ou est-ce qu'on peut encore poser une ou deux questions ou alors, ah oui, oui, oui. Oui, non, ça non, va non, non, peut, tout ça va bien. Très bien. Oui, alors, oui. Quelle avancée scientifique vous rendrait heureux là tout de suite, Hubert? C'est qu'on m'annonce qu'on a trouvé de la vie sur une exoplanète. C'est qu'on a,
parce que, comme vous savez, il y a 35 ans à peu près, on a découvert autour d'étoiles voisines du Soleil des planètes, comme le Soleil, comme le système planétaire, comme le système solaire. Et ça, c'était un pas de plus dans cette vieille question, sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien, on savait qu'il fallait des planètes, on pensait qu'il y en avait, mais on n'avait pas de preuves. Et à cette période, grâce à Monsieur Major, l'astrophysicien suisse, Major, pardon, on a appris que les planètes avaient, que les étoiles avaient des planètes, et maintenant on commence à observer les atmosphères de ces planètes. Et l'idée, c'est ceci, on a trouvé des atomes au travers de certaines, dans certaines planètes. Et il y a par exemple, nous savons qu'il y a du sodium, il y a certains éléments. L'élément qu'on aimerait trouver, c'est l'oxygène, évidemment. Parce que dans notre système solaire, la seule planète qui a de la vie, la Terre, du moins jusqu'à nouvel ordre, la seule planète qui a de la vie est aussi celle qui a de l'oxygène et de l'ozone. Et donc, si on trouvait, et ça pourrait arriver demain, si on trouvait de l'oxygène et de l'azote, de l'ozone dans une planète, il y aurait des chances qu'il y ait aussi de la vie. Ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a, y a d'autres réactions chimiques qui pourraient produire l'oxygène. Et l'oxygène trouvé sur ces exoplanètes n'est pas nécessairement d'origine biologique, mais très vraisemblablement, et en tout cas, ça voudrait dire que ça vaut la peine de poursuivre Ouais. cette question. Il y a Et une ça question, il y a une m'intéresse. question là. N'est-ce pas trop dangereux de laisser penser à la vie extraterrestre sous l'ère d'Elon Musk? J'ai l'impression qu'une grande majorité de personnes commencent à préparer les cartons, nous dit notre auditeur. Oui, ben c'est vrai que l'avenir est dangereux sur ce plan et ces grands projets, par exemple, de mettre des dizaines de milliers de satellites dans le ciel ne sont pas sans risque et on espère seulement que des organismes, le problème c'est qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, mais il y a quand même des groupes, des institutions comme le monde astronomique qui pourrait prendre des décisions, on espère. Mais c'est risqué, c'est vrai. Michel a une question. Michel a une Oui, question, alors en Hubert. lisant les questions des internautes, Hubert, j'ai lu dans vos livres que vous disiez que l'univers était probablement infini. Ce soir, on en a reparlé. Il y a une question d'un internaute qui est, mais comment peut-on s'imaginer que l'univers soit infini? Comment peut-on s'imaginer qu'il y a toujours dirais-je, de la distance, du temps, que l'univers est donc infini? Comment peut-on imaginer cela? Ben, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais ce n'est pas parce qu'une chose est difficile à imaginer qu'elle n'existe pas. Tout n'est pas nécessairement à la mesure de notre intelligence. Et si on décidait qu'une chose ne peut pas exister parce qu'on ne peut pas l'imaginer, ça ne me paraîtrait pas très scientifique. En science, c'est les observations qui importent. Et puis aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer un univers infini. Mais on peut la conceptualiser. L'infini en mathématiques, c'est quelque chose de parfaitement conceptualisable, mais pas imaginable. C'est comme la quatrième dimension. Si vous voulez imaginer la quatrième dimension, vous ne pouvez pas, parce que vous pouvez, avec vos doigts, vous ne pouvez placer que trois doigts. Mais les mathématiciens, depuis longtemps, sont habitués à manipuler les infinis sans problème. Encore une fois, il y a ce qu'on peut imaginer. Et ce qu'on peut concevoir, qu'on peut concevoir par les mathématiques, n'est pas nécessairement imaginable. Ça, je pense que c'est acquis depuis les mathématiques de Riemann et de Gauss au XIXe siècle. C'est eux qui nous ont permis de Cantor en France. Ce sont des domaines très actifs, au contraire, de la science. Alors, si l'univers va dans le sens d'une structuration de plus en plus complexe, qu'en est-il du principe d'entropie? Ce n'est pas incompatible avec le principe d'entropie. D'abord, si l'univers est infini, et d'autre part,
Le principe d'entropie, il est valable seulement dans un espace fermé. Et l'univers n'est pas un espace fermé. Et non seulement ça, mais avec son expansion, il y a des nouvelles galaxies qui entrent continuellement dans notre univers. Donc, notre univers n'est pas du tout fermé. Il acquiert continuellement de la nouvelle matière qui peut donner lieu à de l'entropie nouvelle. Non, ce n'est pas un problème. Je sais que ce n'est pas un problème. C'est un problème dans un espace fermé. L'entropie doit croître. Le deuxième principe, la thermodynamique, peut être violé dans des espaces, pas violé, mais ne pas être limité dans des espaces à 5-6 dimensions, tant qu'on veut, et même à 3 dimensions. Dans un univers ouvert, c'est-à-dire, par exemple, un univers infini, rien n'est plus infini, n'est plus ouvert que l'infini. On peut très bien, si on peut s'imaginer un univers infini, imaginez que vous êtes autour de vous, vous avez un certain nombre de galaxies que vous voyez. Vous ne voyez pas les autres galaxies parce qu'elles sont trop loin, la lumière n'a pas encore eu le temps de vous atteindre. Eh bien, dans votre coin, il n'y a pas de problème. Rien ne bloque l'expansion, puisque toutes les galaxies s'éloignent. Il y a toujours de la place dans l'infini. C'est au contraire plus facile d'être en expansion dans l'infini que dans un espace fermé où il y a des murs, forcément, et où ça va coincer. Donc, il n'y a pas de problème de vie ou de structuration dans un univers infini, encore moins, je dirais. Charles Herriot, l'énergie a-t-elle un rôle dans la complexité de l'univers? Merci, oui. Hubert, dit-le. Oui, tout à fait. Monsieur. Plus les structures sont énergétiques, c'est-à-dire plus elles utilisent d'énergie, plus elles sont complexes, plus elles utilisent d'énergie. Alors là, il y a quelque chose qui semble paradoxal. Le soleil est un élément qui émet énormément d'énergie. Mais si on regarde quelle énergie par gramme est émise par le soleil, c'est 10 000 fois moins que notre cerveau quand il travaille. Notre soleil paraît très lumineux parce qu'il est énorme. Mais si on mesure l'énergie qu'il émet par gramme, par exemple, de matière, notre cerveau est beaucoup plus efficace, beaucoup plus énergétique. Et ce qui est la matière la plus énergétique dans notre univers, ce sont les produits de l'informatique. Les produits de l'informatique, évidemment, ne sont pas elles-mêmes des êtres vivants. Ils sont pensés, ils sont inventés par des êtres humains. Mais les êtres humains ont réussi avec les informateurs, avec les ordinateurs et surtout les plus puissants à produire des éléments qui sont beaucoup plus énergétiques que notre cerveau. Je ne crois pas qu'elles sont capables de faire la même chose. Ça, c'est une autre question. C'est un débat aujourd'hui. Moi, je ne crois pas beaucoup. C'est une autre question. Mais sur le plan émission d'énergie, c'est-à-dire si ça chauffe, comme on dit, eh bien, c'est l'informatique produit des corps beaucoup plus chauds, c'est-à-dire avec un problème d'émission, de dispersion de la chaleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on met des ordinateurs dans des régions de glace pour essayer de refroidir l'informatique. L'informatique, est-ce ce qui se fait de plus chaud et de plus diffuseur de chaleur? Alors Hubert, j'ai des remerciements toujours très chaleureux de nombreux internautes, certains nous regardent même depuis le Maghreb, vous félicitent pour l'analogie avec les avions qui abritent des passagers qu'on peut observer depuis la Terre. Et puis il y a une dernière question que je viens de voir. La personne se pose la question, vous n'avez probablement pas la réponse, mais elle se pose la question, pensez-vous un jour qu'il sera possible de vivre sur une autre planète que celle de la Terre et dans combien de temps? Mais elle nous dit quand même que vous n'avez probablement pas la réponse. Ben, non, je ne pourrais pas m'aventurer à prévoir les réponses
Mais bon, l'argument que je dis, c'est que peut-être que des planètes comme celle-là pourraient être, si on les envisage comme une solution de repli quand la Terre sera polluée, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que les planètes, les exoplanètes que nous connaissons, sont très loin. Sont à la vitesse où vont nos fusées, ça mettrait 60 000 ans pour atteindre la plus rapprochée. Sauf si on arrive à aller plus vite. Le problème aujourd'hui, c'est que ça met 60 000 ans parce que nous n'allons pas encore vraiment très vite. Nous mettons, pour aller sur la Lune, nous mettons une journée. Pour aller sur Mars, nous mettons un an. Nous n'allons pas très vite, mais l'avenir est ouvert et peut-être un jour on ira plus vite. Le second problème qui serait beaucoup plus difficile à résoudre, c'est le fait que si nous n'apprenons pas, nous, à vivre convenablement sur notre planète, c'est-à-dire à ménager la nature, à ne pas la bousiller, eh bien, je pense qu'on fera la même chose ailleurs. Il n'y a pas de garantie que même si nous arrivions sur une planète complètement habitable, nous soyons aujourd'hui en mesure de faire autrement que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire polluer, etc. Ah, Donc, pour une moi, question, ça. pardon. Oui, vas-y. Pardon, une question qui va vous plaire, Hubert. Comment la poésie et l'art peuvent-ils aider à faire comprendre cette fureur de vie, de vivre dont vous parlez? Oui, eh ben, L'art, je la pense que. musique, la poésie, Oui, je dirais. la Ce que je littérature. dirais, c'est qu'il faut voir le point de vue un peu général. Il y a deux fonctions humaines qui sont essentielles pour le développement de la maturité. C'est d'une part la rationalité et d'autre part l'imagination. Quelqu'un qui n'investit que dans la rationalité risque de s'assécher. Quelqu'un qui n'investit que dans l'imagination risque de devenir fou. Je pense que les deux voies sont essentielles pour l'équilibre de la personne, de la psyché humaine. Et pour apprécier l'art, pour apprécier la vie, l'imagination, c'est-à-dire l'habitude de connaître l'art, de pratiquer l'art, est également essentielle. Je ne les séparerai pas, je dirais, c'est-à-dire oui, je les séparerai. Je dirais d'une part, la rationalité est importante et d'autre part, l'imagination est importante. Les deux éléments sont essentiels pour vivre une vie pleine. Encore plus de monde à l'écoute d'Hubert Reeves. Là, ça nous fait vraiment plaisir, Hubert. Juste, ça va? Vous êtes un petit peu Oui, fatigué? On va peut-être non. s'arrêter bientôt. Vous me Non, dites, non, hein. non. Non, non, je ne suis pas fatigué Alors, du il y a tout. beaucoup, beaucoup de remerciements. Effectivement, il y a un monsieur qui nous a, qui vous salue d'Algérie, qui nous regarde en Oui. Algérie. Il y a quelqu'un qui dit bonjour, Hubert. Je vous kiffe depuis tout petit. C'est vrai. Il donne Voilà. pas son nom. Il donne pas son nom. Carl G. Bon, ce sont toujours des pseudonymes auxquels je ne comprends rien la Ah. plupart du temps, donc je ne les donne Ah pas bon. toujours. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah si, cette question. Selon vous, Monsieur Reeves, les carrières liées à la cosmologie et à l'astrophysique seront-elles aussi riches qu'elles le sont et l'ont été? Bon, ce qui est sûr, c'est que sur tous les plans scientifiques, les carrières scientifiques ont beaucoup diminué depuis le temps où moi j'étais étudiant et on courait après nous pour nous offrir des postes. Malheureusement, ça n'existe plus. Il faut aujourd'hui une compétence toujours plus grande. Comme on dit, il y a toujours de la place pour les meilleurs, mais les meilleurs, ça devient de plus en plus difficile. Je pense que ce sont de beaux métiers. Moi, j'ai beaucoup apprécié et je le souhaite à le plus de gens possible. Je suis content quand je vois des gens qui arrivent à gagner leur vie avec ce métier. On vous pose aussi une question pour savoir s'il est aussi utile et important de dépenser tant d'argent pour aller sur la Lune. On y est déjà allé, puis maintenant à venir sur Mars. Oui, ça c'est aussi une question très débattue. Pour moi, la réponse, c'est quand on dit aller sur la Lune, ça coûte 6 milliards, il faut se demander où sont les 6 milliards. Les 6 milliards,
ils ne sont pas sur la Lune, ils sont dans les poches des ingénieurs. C'est-à-dire, par exemple, quand Kennedy a voulu préparer le débarquement sur la Lune, il a décidé, Kennedy, le président américain, il a décidé de le mettre, d'installer les instituts appropriés dans l'État le plus pauvre des États-Unis, c'est-à-dire l'Alabama. Et cela a eu pour effet de remonter considérablement le niveau de vie de l'Alabama. Vous voyez, ce qui part pour la Lune, c'est du métal, ce n'est pas grand-chose. Ce qui coûte, là où l'argent a été dépensé vraiment, c'est justement dans toutes les fonctions qui entourent cette campagne et qui sont généralement les salaires des ingénieurs. Et je pense de toute façon, c'est beaucoup mieux de dépenser de l'argent pour la recherche que de la dépenser pour les armes. Aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas du tout la recherche, ce sont les armes des grandes nations. Et c'est là qu'est le problème. Si avec les armes des grandes nations, si on pouvait détourner ces fonds, on aurait certainement une beaucoup meilleure santé sur la Terre. Alors, il y a Jonathan qui nous dit « J'ai pas du tout envie que cette rencontre se termine, moi, même s'il n'y a pas de questions, même s'il nous parle de tout ce qu'il veut. » Alors, voilà. Et puis, il y a quand même une question aussi que je trouve intéressante. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle, Hubert ? Non, pas vraiment. Je pense que l'intelligence artificielle, elle peut avoir des effets très bons. Elle peut avoir des effets très bons. Pour moi, je la vois en particulier sur le plan des handicaps, des handicapés, des gens qui sont aveugles ou sourds ou infirmes, pour pouvoir s'occuper de sur ce plan médical, sur le plan du bien-être humain, je le trouve très bien. Alors, si j'avais peur, je crois que c'est une bonne idée. De toute façon, ça a toujours existé. Quand l'être humain a découvert le feu, il y a maintenant 400 000 ans, dans la période préhistorique, le feu, on peut s'en servir pour chauffer sa maison, on peut s'en servir pour mettre le feu à la maison de son voisin. Vous voyez, l'important, ce n'est pas la technique elle-même. Les techniques n'ont pas d'éléments de moralité. C'est qui va décider de ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en train de préparer des armes nucléaires autonomes, ce qui me paraît extrêmement dangereux, des armes qui peuvent décider par elles-mêmes d'aller éclater, c'est ça l'idée. La crainte aujourd'hui, c'est qui va décider et quelle est sa capacité et est-ce que les êtres humains sont capables de se contrôler. C'est le même problème que le problème de la sixième extinction, c'est servir de son intelligence d'une façon intelligente et non pas pour faire des erreurs qui nous mettent en péril. Est-ce que vous avez quand même l'impression, Hubert, que le message concernant le réchauffement climatique, le fait que l'on abîme notre planète et que peut-être qu'elle n'est pas éternelle et que voilà, qu'on ne respecte pas assez la biodiversité, etc. Est-ce que vous pensez que ce message maintenant est quand même beaucoup mieux entendu et plus particulièrement par les plus jeunes générations? C'est ça l'important. Oui, je crois qu'il y a de grands progrès. Moi, je trouve intéressant aujourd'hui tout ce qui se fait sur le plan de l'écologie. Par exemple, je trouve très intéressant les banques qui ont décidé d'avoir un contrôle sur l'utilisation des prêts qu'elles font pour des projets et en particulier de ne pas appuyer les projets qui sont contraires au conseil du COP 21. Et ce contrôle sur la finance me paraît très important. Un autre aspect important aussi, c'est les bonnes nouvelles qui se multiplient. Les quantités d'animaux maintenant qu'on retire des listes
d'animaux en danger, en particulier, bien sûr, les baleines à bosse, les bisons, les castors, les tigres, beaucoup d'animaux maintenant auxquels les commissions, par exemple la commission baleinière, s'est intéressée. On voit qu'elles ont réussi dans le sens que ces animaux ont été retirés de la liste des animaux en danger. Et moi, je trouve intéressant et je trouve surtout important de dire toute la vérité, c'est-à-dire quand on parle d'écologie, dire ce qui va mal, c'est une erreur d'essayer de cacher la vérité, il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais dire aussi ce qui va bien, de sorte qu'il n'y ait pas cette attitude de déprime qu'on retrouve un peu partout, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, et c'est très mauvais pour le moral des troupes. Je dirais, c'est important de signaler à la fois ce qui va mal et ce qui va bien pour qu'il y ait un tonus dans les personnes qui sont dans ces activités. Et je dirais en particulier pour les jeunes. Je remarque que les plus jeunes, les 12-15 ans qu'on voit dans les écoles, sont souvent très déprimés et pour eux, ils ne comprennent pas. Ils voient la chose comme plus grave que ce qu'elle est, à mon avis, parce qu'il n'y a aucune preuve que c'est foutu. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui, avec le dynamisme qui se développe aujourd'hui un peu partout. Je crois qu'il y a des raisons d'être tonique, de continuer le combat et de se considérer dans une lutte qui n'est pas garantie. Il n'est pas sûr qu'on va gagner, mais il n'est pas sûr non plus qu'on va perdre. Je pense que ce que sera la planète dans 30 ans ou dans 50 ans, personne ne peut le dire aujourd'hui. Ça pourrait aller beaucoup mieux, ça pourrait aussi être bien pire. Mais c'est important de garder cet esprit tonique pour les gens qui commencent à s'intéresser à ce programme. Je crois que c'est pas mal, ça, comme conclusion de notre causerie, mon cher Hubert. Alors, je dois quand même dire qu'il y a énormément de messages de gens qui disent qu'ils vous admirent. Il y a André, notre fidèle spectateur, qui dit qu'il vous souhaite bonne santé, longue vie. Merci. Merci de la part d'un enseignant de CM2, je crois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un qui dit qu'il a été inspiré par vous pour se lancer dans cette carrière et que c'est à la fois et qu'il vous en remercie. Quelqu'un d'autre qui parle de la nuit des étoiles que vous présentiez et qui dit que vous nous accompagnez depuis très longtemps dans nos vies et que vous nous donnez le goût de l'astronomie. Donc ce monsieur qui dit: je suis rentré en astrophysique en 84 grâce et à cause de vous, le plus beau rêve de ma vie personnelle et professionnelle. Merci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup, beaucoup Merci. de choses vraiment très, très chaleureuses. Pierre Gassier-Leroy qui dit, remarque, à tout le moins, James Dean et Hubert Reeves, même combat, la fureur de vivre, hein, bien sûr. Et Bien puis, alors, sûr. j'ai gardé celle-ci pour la fin, parce que je la trouve très jolie, et puis elle nous ramène au livre qui a inspiré cette conférence de ce soir, et à la couverture de ce livre où on voit Hubert avec dans ses bras son petit-fils Noé, et cette réflexion d'un de nos auditeurs, téléspectateurs, on va dire, avoir Hubert Reeves comme grand-père, il est bien parti dans la vie, Noé. Gentil. Merci. Voilà, mon Merci. cher Hubert. Vraiment, merci d'avoir préparé ce PowerPoint pour nous parce que c'est un travail. Merci de nous avoir accueillis dans votre salon. Merci à Camille, votre femme, qui a dû faire un peu de place, je suppose. Et puis à Laurence Honora qui était avec vous. Et Laurence qui, elle aussi, travaille. Si vous tapez son nom sur Internet, vous verrez tout le travail qu'elle fait pour Diffusion le des partage et connaissances. la diffusion des connaissances. Merci à elle. Ben, mon cher Hubert, je ne sais pas si on se verra à Rennes bientôt, compte tenu des circonstances. Comment vivez-vous cette période tellement surprenante, tellement difficile aussi pour beaucoup? Moi, assez bien, parce que ça me donne du temps. J'ai plus de temps que d'habitude et j'ai plus de temps de travailler, je prépare des nouveaux manuscrits
Et je m'instruis et j'ai toujours beaucoup de choses à comprendre. Et donc, pour moi, c'est bon. Je regrette de rater ce printemps parce que j'adore le printemps, tous À les coups de lumière. Malicorne À particulièrement, à Malicorne. Malicorne, je reviens toujours à ce livre, je parlais tout à l'heure de ce titre du livre que j'adore, Le banc du temps qui passe. Ce banc du temps qui passe, on vous voit d'ailleurs en photo assis dessus, il est situé dans la propriété de Malicorne, et c'est là souvent où vous réfléchissez, où, voilà, où vous mettez la nature en question, si j'ose dire. C'est C'est ça? ça, très ça. Où j'arrive à jouir la nature, justement. Oui. Oui, j'aime beaucoup ces passages dans cette nature où j'aime jardiner, je plante des arbres, je fais des quantités de choses. Oui. Voilà, Michel. Eh bien, Merci beaucoup. merci. Merci à vous deux. Merci à Laurence aussi Oui. pour Et à toute notre équipe technique, et hein, à qui fait l'équipe. toujours un très bon travail. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir, Et Hubert. Et donc, au revoir. la semaine prochaine, on accueille quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez Bien beaucoup, sûr, qui connaît bien bien sûr. Malicorne aussi, c'est Étienne Bien sûr. Klein. Étienne Klein, oui, bien Voilà. sûr. Bonsoir, Hubert, et merci de nous Bonsoir. avoir donné de votre temps. Merci, au Reposez-vous revoir. bien. À bientôt. Merci à vous deux Au aussi. revoir.